bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de City of Gangster à Philadelphie. On avait réussi la dernière fois à approvisionner notre tripot. On était en train de se préparer à inonder la zone de vent en brique de qualité. Et c'est beau, on a plein de trucs qui se passent. On a fini la construction, on a réussi à gagner du respect. On va pouvoir aller faire des petits bisous à ces gens. C'est parfait. Ici il y a un déjeuner qui va se faire, on va essayer d'aller le chercher. Donc ici on livre le pied de biche. Et on va aller voir un peu ces gens. Ce coin de rue est à nous. Ce sera un honneur de vous aider. J'espère bien. Par contre elle, elle nous aime pas du tout. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui pourrait la draguer pour nous. Y a pas grand monde, hein. Il y a son oncle ici, il y a sa sœur ici. Ah, sa sœur, il y aurait moyen. Sa sœur, c'est la chef de ville d'ici là. Ouais, on va pouvoir. Ah ouais, alors lui, il nous aime pas trop non plus. Il y a la flic. Ok, bon, on va aller cramer de la faveur avec lui, avec Magellan du coup. Un petit coup de main. Avec Virginia Mitchell, allez, hop, fais donc ça. Et toi, faut que t'ailles ici, c'est cette personne là qui va faire un truc. On va essayer de jouer un peu là-dessus. Toi. Pourquoi j'ai pas ma faveur là? Ah, j'ai pas eu ma faveur. Elle vous doit vous devoir au moins 4 faveurs. Ah, ou alors il y a peut-être un bug avec la faveur de cette personne. Bon, c'est pas très grave. On va quand même tenter. Ok, très bien. Bon, elle accepte. Elle est pas contente, mais elle accepte. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, il faut qu'on livre la tunasse. On a 500 balles au tripot, 400 balles ici, 300 de chez Red Counter, un petit peu d'argent. Je roule trop vite pour que les faveurs arrivent, tu penses que c'est possible? Peut-être. Avec tous ces personnages qui se déplacent à une vitesse incroyable. Ok, on a léché un petit peu de sous. Shobitia Demon, elle peut plus bouger. On est parti. Ouh, il se passe des trucs. Ah, ici c'est la descente. Ah, on a un nouveau coup avant-poste éloigné. Très bien. Donc ici, on a un petit peu. On a dit qu'il fallait plus de points d'action. Et Cecil Holmes a gagné des trucs. Alors du coup, est-ce qu'on a des choses pour améliorer Les commerces apprécient les échanges, bof. Non, on va améliorer son niveau de déplacement. Il ira beaucoup plus loin. Et on peut faire des coups avancés, mais je pense pas que ça soit le meilleur moment, honnêtement. Franchement, je suis pas convaincu. Alors, nous avons Grigos que nous avons trouvé. Jetez un œil du coup ce que vous pensez. Alors, ah, une voiture. Je suppose que t'as envoyé quelques gros bras qui se sont fait du fric en volant les véhicules des habitants. J'aimerais récupérer mon investissement ainsi que ma part des profits. Ouais, je suis un peu déçu. Je suis assez d'accord avec Shobiti là. Je m'attendais à un camion, véhicule à deux portes, c'est ce qu'on a là. C'est ça, hein. Ouais, voilà. Une petite voiture, quoi. C'est franchement pas exactement ce que j'espérais. Donc on va prendre la thune.
Effectivement, les faveurs, on n'en gagne plus avec eux, donc bon. C'est pas très grave, étant donné que là, il a quand même accepté. Mais ouais, je suis un poquito déception. Tant pis, c'est pas grave. On va en profiter pour investir dans des machines à sous. Hop. Des machines à sous ou des trucs mieux ? Table de jeu de cartes. Ah, il faut la compétence là par contre. Là aussi il faut la compétence. Donc on va partir sur des machines à sous. Bah, le problème en fait des pick-up Falsag, c'est que normalement on peut pas en acheter. En fait les camions on peut pas en acheter. Les voitures éventuellement on peut réussir à en acheter si on a une casse ou un garage qui nous aime bien. Mais les camions c'est très difficile. Je crois que c'est possible mais ça doit coûter de... Bah ouais, pas loin des 1400 voire 2000 balles. Hein. Je crois pas qu'on ait de garage qui nous aime bien, là c'est que des casses. Là il y a un... Ouais. Mais ici, ouais, ça commence à s'améliorer un petit peu. On pourrait essayer de le draguer un petit peu pour voir. On va voir si on peut faire ça. C'est toi. Alors, de récupérer les enveloppes, ça m'a donné des idées pour une contribution potentielle. Toi, tu nous proposerais... Bah non, bah du coup, c'est bon. On va essayer de trouver une quête un peu plus intéressante pour des camions. J'aimerais que tu boostes... mes relations avec... Ah du coup c'est pas lui, c'est le mec d'à côté. Toi. Pas tout de suite. J'aimerais que tu améliores tes relations avec lui. Voilà. D'ailleurs j'ai complètement oublié d'aller voir là. 200 balles il faut. On a 200 balles quelque part. Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Bon, faut qu'on fasse ça vite. Toc. Ok, tu vois, ils vont un pick-up. Ça va. 680, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Comme quoi le petit camion de livraison de tout à l'heure, qui est mieux qu'un pick-up, aurait pu être pas inintéressant. Je regarde un petit peu les quêtes éventuellement disponibles, il y en a une là. Il y en a une là. Donc là il va falloir qu'on récupère 200 balles d'une manière ou d'une autre pour si on veut faire la... le truc là. Ah mais 5 pieds de biche ça fait chier quoi. Qu'est-ce que tu me proposes comme compétence ? Alambic de fortune c'était pas mal si on voulait se lancer dans des trucs un peu plus évolués. balles, ouais, on va faire ça. Solidarité ethnique, ça pourra peut-être nous permettre d'avoir un petit boost avec lui vu qu'il est de la même ethnicité que nous comme on dit. Par contre là hein, voilà, on a investi un max dans le tripot maintenant et intérêt que ça marche quoi. Dans deux tours on sera fixé. On va retourner là voir cette quête. Je crois que ça, il y a moyen d'avoir un camion si on arrive à les, si on arrive à le faire. On a jusqu'au 16 août pour leur filer 1000 balles, c'est jouable, hein, franchement.
Ah, Cecil Holmes a assez d'expérience. Ah, est-ce que quelqu'un veut surnommer Cecil Holmes dans le chat? Dites-moi. Notre livreur de cidre. Je vous laisse décider. Plus on a des productions qui sont pas faites, du coup c'est pas au petit tout ça. Cécile la pomme Holmes, c'est pas mal Cécile la pomme Holmes, j'aime bien. Allons-y. Ah, ici il peut plus vendre et ici non plus. Ok, donc faut qu'on arrête nos conneries avec la livraison là. Ça on dégage, ça on dégage, ça on dégage, ça on dégage. Ça. Non, déposer. Non, oui, ça. À la rigueur, pourquoi pas. Non. Ça on dégage aussi. On va faire un truc spécial. Alors, Lucas, ça pareil. On vire. Central Fruit Emporium, c'est là-bas. On vire. Voilà, tu vas te concentrer sur le cidre, toi. Et tu vas en acheter jusqu'à 50. Voilà, on va remettre ça jusqu'à 50. Voilà. Et tu déposes tout. Voilà. Très bien. On va se concentrer sur ce chemin-là. Quelqu'un voudrait me faire une offre. Toi, tu voulais me faire une offre. On va aller jeter un œil. Chobiti a gagné un petit niveau. On va augmenter son efficacité en combat avec sa Thompson là. Le fameux club civique. Non. Ici c'est vraiment pas intéressant. Ah et salut Sœur Madness, merci beaucoup pour le raid, ça fait plaisir. Bienvenue à tous du coup. Comment s'est passée cette petite... C'était quoi? C'était France-Belgique sur Carcassonne, je crois? Et merci Bajoujou pour le follow. Merci JPH Sniper pour le follow également. Match nul? Ah, ça peut arriver sur Carcassonne un match nul ou c'est les différentes personnes... Ouais, 4 partout, ok, ouais, d'accord. Du coup, salut Ziglo, salut... J.H. Sniper, salut Babjoujou, j'imagine, hein, également. Bienvenue, bienvenue par ici. Dans un tour, l'argent va couler à flot. Je t'écoute, Falsag. Ah, on a une quête ici. Bon, il faut qu'on se concentre sur les 1000 balles à déposer là. Et pour l'instant, on n'a pas grand chose. Mais j'ai mis trop d'argent en fait dans le tripot. On va en récupérer un peu. Pas déconner, il a besoin de 700 balles. C'est pas non plus. Hein, voilà. Ici, est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu de cidre à récupérer? Oui. Cécile, il est un petit peu trop en PLS là. Voilà, comme ça on ramène la thune. Voilà. Oui, GPS Sniper, c'est enregistré. Il y a des rediffs sur YouTube. Ah, on n'a pas assez d'argent. Voilà. Je réfléchis le planning. Je vais ressortir le planning. Toc. Je vous mets le lien du planning si vous êtes intéressé. On a réussi notre objectif de la soirée, à savoir lancer une maison de jeu. Enfin, pour l'instant, c'est en train de construire. Est-ce que ça suffit, ça? Ah non, il faut vraiment... il faut vraiment la somme d'argent... Ah la vache, d'accord.
Il faut 1000, ok. Donc il faut vraiment 1000. Merde. De toute façon, pour l'instant, il faut qu'on ait de quoi payer nos salaires, donc on va se détendre. Magellan, il va aller faire un petit tour ici. Ouais, c'est ça, Falsac, c'est 500 par activité, mais je me disais que peut-être, tu vois, il y aurait... 273 pour un pick-up. Bah ouais. Bah complètement que oui. Alors, excuse-moi... Allez, elle est où la thune là? 900 au tripot, 145 là, un peu de... Ouais. Excuse-moi tripot, mais tu vas lâcher 200 balles. Hein. Il n'y a pas moyen. Merde, je suis trop loin. Tant pis, on va commencer à y aller. Hop, on va carrément prendre cette option. Alors, ouais, bah oui. On a construit le truc. Voilà, il y a une descente policière, donc on n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire. On va aller faire un petit bisou. Bonne soirée, GS Sniper, merci d'être passé, en tout cas c'est cool. Le 5 juillet, dans un mois. Ok, bah, ça me va. J'ai complètement zappé du coup d'aller filer de la thune à lui là, mais tant pis. C'est pas grave, on s'en remettra. Ok, il faut qu'on aille mettre tout ce qu'on a comme argent du coup là-bas. Ici on se remet à faire un petit peu d'argent du commerce. C'est bien. Parce que pour l'instant sinon c'est un petit peu la tristesse quoi. Magellan. Tu vas récupérer du cidre, tu vas aller en vendre. C'est dans combien de tours là? 5 tours, ça devrait suffire. Tu vas récupérer ça. Et normalement on peut en vendre genre dans le coin là. Non, ici. Voilà, ici. Puisque tu roules vite. Ouf, j'ai cru qu'il avait chopé notre notre copain. Putain, par contre impossible de vendre du cidre à cause de ces conneries au mec quoi. Comment tu veux qu'on fasse de l'argent dans ces conditions? Franchement, c'est insupportable. Alors, t'as déposé les sous. Vas-y, dépose. On ramasse. On paye combien de salaire? 82, hein, ça va se permettre. T'en laisser 91. Alors, bénéfice perte au tour précédent 32. Statut fonctionne normalement. 66 personnes, nombre max 75, partage de 66 clients avec une autre installation à faible mise, d'accord. Vous avez reçu 105 de 66 joueurs, mais 4 d'entre eux ont obtenu des gains équivalents à 72 au total, du coup on fait 32 de bénéfices, d'accord, oui, c'est pour l'instant c'est gain petit, ok. Mais du coup ça peut permettre d'investir dans le reste. On va déposer tout ce qu'on peut. Intéressant, pourquoi pas. Il faut 1700 pour transformer en maison de jeu, ce qui nous coûterait plus de 3000 au final. Et en plus il faudrait blanchissement d'argent, donc il vaut mieux prendre un 3000 dès le début si on peut se permettre quoi. C'est bon à savoir. On commence à avoir quand même une petite opération sympathique. Ici par contre, je me demande si on va pas foutre Magellan à gérer la production là. Bon, déjà on va faire une nouvelle livraison, hop, qu'on va appeler 20, parce qu'on est des gens hyper imaginatifs. Alors, on récupère du vin, il est où? Vin en brique, tu es où? Vin en brique, allô? On récupère du vin en brique ici, tout ce qu'on peut. Ensuite, on va
Déposer. Pas du vent en brique. Dépôt en grès, tout ce qu'on peut. Voilà. Bon, d'ailleurs, il faudrait que je le fasse dans l'autre sens. Ça commence mal. Toc. Ça en drop. On dépose et après on récupère. C'est plus intelligent comme ça. Après, on va aller acheter. On va aller. Ouais, on déposera l'argent à un seul endroit. Ouais, on déposera l'argent dans le même endroit que l'autre. On va aller acheter des pots en grès ici. Jusqu'à 50, c'est bien. Ensuite, on va acheter des pots en grès ici. Jusqu'à 50, très bien. Il faut qu'on vende notre vin en brique. On peut en vendre ici, ici. On peut en vendre à plein d'endroits. Donc là pour l'instant on était ici. On a fait pof, pof. On peut aller en vendre là. Tout ce qu'on peut. Ça me paraît bien. Ensuite on va en vendre ici. Tout ce qu'on peut. Il faut qu'on achète concentré de raisin, on peut en acheter là, donc on a tout intérêt à aller vendre notre vin en brique du coup. Ici, tout ce qu'on peut. Ensuite, on achète du concentré de raisin jusqu'à en avoir 6 ici. Merde. Jusqu'à 6. Après, on va déposer notre concentré de raisin ici. Et ce serait pas mal qu'on dépose aussi la thune à Boulevard Market. Tout sauf. Non. 70. Par contre, on va. Alors, déjà, on va vérifier que j'ai pas fait de doublon. Donc on commence par déposer nos pots en grès, on récupère notre vin, on achète des pots en grès, c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon ça. Faudrait qu'on vende avant d'acheter nos pots en grès en fait. Ouais. Toc, 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 voilà. Achète les pots, va les déposer, récupère le vin, tu vas vendre le vin, tu vas vendre le vin, tu vas vendre le vin. Là, voilà, il me semblait bien que j'en avais mis deux. Non, j'en ai pas mis deux. Acheter jusqu'à ce qu'il faut. On dépose. Et par contre, normalement, on vend à Maggie Place. À un moment, on passe à côté, là. J'ai pas vendu à Maggie Place. Zut. Bon, bon c'est pas grave. Tu iras déposer la thune et après, tu iras acheter tes pots. Ça me paraît bien. Et on va mettre Magellan dessus. C'est parti, ça lui fera un petit peu de route au compère. Du coup on n'a plus que Chobiti qui va se déplacer comme elle peut, mais bon c'est déjà pas mal. Du coup ce qui serait intéressant c'est qu'on puisse transformer ce truc là en un speakeasy de quartier de ce genre. Ça pique le cul. On va peut-être pas le faire du coup tout de suite. On avait déjà mis une petite publicité discrète ici. Là, est-ce qu'on peut faire des améliorations? Oui. Je pense qu'on va le faire aussi. Hein. Il nous faudra un peu de sous. Donc là, normalement, ça devrait tranquillement monter vers 1000. Peut-être pas d'ici deux tours, mais pas loin, et réussir à plus ou moins s'autosuffire avec notre investissement de départ. Par contre, clairement, ça pique. Hein. L'investissement de départ, il fait un peu mal aux fesses, quoi. Mais on devrait être capable de faire quelques trucs. Il est où, Magellan? Il y a du cidre sur lui. Oui, parce que je l'avais envoyé là vendre. Avant de faire une connerie, elle nous aime bien. En plus, on va lui vendre tout ce qu'on peut.
Ah putain, il nous en reste 0,6 quoi. Est-ce que je peux le ramener à un endroit où il pourrait déposer ça? Bouffe, pas vraiment. Ah, oh, s'il est tellement rapide quoi. C'est monstrueux. Allez. Comme ça, il a une petite mise de départ. Et on va lui faire déposer ses 0,60 là. Voilà. Et on est parti. Donc, ici, on va se concentrer sur les quêtes. Il nous faut 1000 balles avant août. Ouais, c'est jouable. Pour l'instant, on a juste ce qu'il faut pour payer nos salaires. Donc, on va se contenter de passer le tour. On a une petite musique. Ah, on va pouvoir aller récupérer ça. Thomas Sols planifie un de ces trucs, ok. T'en as acheté 0 parce qu'il n'y avait pas assez. T'en as acheté là. Oh, y a... ça commence à être la dèche de pot en grès. Fait chier. Ici, on en a combien d'avance? 95. Bon, ça va en même temps. Et ici, 55, ça suffira pour la première livraison. Ok, donc ça devrait s'équilibrer petit à petit. On va pas paniquer pour l'instant. Pareil, on a masse de concentrés de raisin d'avance. Chobiti va aller chercher les fruits de notre dur labeur. Au sujet de la marchandise, vous avez preuve de patience, cette patience a été récompensée. Je peux envoyer la marchandise vers votre planque. Parfait. Mec. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voudrais... Ah putain, il est vachement abîmé le pick-up. Hein. Je sais plus où c'est le bouton. Ah, j'ai oublié de lancer le... Ah, oh, j'ai oublié de lancer notre planque là-bas aussi. Voilà, c'est ça. C'est faut cliquer sur le pick-up. Donc toi, tu vas prendre Magellan... ce pick-up. Voilà. Qui est un petit peu dans le mal. Donc du coup, il apparaît ici, forcément. Là, normalement, on doit pouvoir voir le pick-up. Ah merde, on voit pas le pick-up. Alors du coup... Ouais, parce que dedans, il y a un truc. Donc tu vas le reprendre, Magellan. Voilà. Ensuite, tu drops tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Après, tu reprends le pick-up. Parfait. Et puisque tu es quelqu'un de rapide... Ouais, t'as plus que 6 points d'action parce qu'on a quand même pas mal joué avec toi. Tu vas aller... d'abord ici, récupérer. Ouais, bah à 200 balles, on va se dire que voilà, on peut accepter. On peut accepter. Ça s'accepte. Ici, on est redescendu à moins 9. Il va falloir qu'on trouve quelqu'un de nouveau pour le draguer. Par exemple, Lizzie Ferry. On va s'en occuper. On va s'en occuper. Ok. La machine à sous s'est installée. Il n'y a pas assez d'argent par contre. Ah d'accord, on est à 70. Où est parti l'argent? Où est parti la thune, mec? Qu'est-ce que t'as fait de la thune? Peut-être que les 500 en fait avaient pas été dépensés quand j'ai lancé la construction. C'est quoi ça, recrue sélectionnée? Ah non, ça doit être parce que oui, c'est la recrue qui est en train de parler au truc. Ça pique le fion? Ah non, il y a 800 balles qui sont arrivées là. D'accord, il y a dû y avoir un truc qui s'est passé, je sais pas pourquoi. On va prendre tout ce qu'on a là. On va la réinjecter là. Je sais pas pourquoi ça a sauté, mais tu vas juste garder 20 balles pour acheter ce qu'il faut. Voilà. Bon. On n'a pas tout à fait assez, mais ça va. Donc toi, je t'ai dit d'aller là. Tu récupères l'argent, ton cran d'arrêt.
Et après tu vas réparer. 72, bah ouais, hein, ça pique un peu, mais bon. Et là, on va affecter, du coup, Magellan. Allez, c'est parti. En avant, tu t'occupes du vin. Parfait. Chobiti. Ouais, 82, ça joue, hein. Ils ont bien perdu, quoi. En gros, on peut gagner 100. Ça dépend combien ils gagnent. J'imagine que des fois, ça peut être éventuellement négatif. Mais bon, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Ah mais non, attends, c'est la maison de Paris. Non, les machines à sous, elles ont pas encore commencé à fonctionner. Bon, bah ça, on va faire avec. Hein. On collecte 20. On va relever les compteurs, ça va nous permettre peut-être d'investir les quelques centimes qui manquent. Combien dans la maison de jeu? 937, il nous faudrait 70. C'est pas gagné, hein. Ici, enfin, cette maison de jeu est rentable. Enfin, ce commerce est rentable. Et ça, ça fait plaisir. Même si c'est pas oufissime, c'est toujours ça de prix. Il faut qu'on arrive à choper 300 balles pour lui. Je pense que elle aussi, c'est pareil, hein, bientôt. Jusqu'au 21 août. Ah là là, c'est compliqué l'argent là. Faut vraiment qu'on commence à vendre notre... Merde. Qui c'est qui s'est fait choper? D'accord, non mais faut absolument pas faire de maison de jeu si on peut pas corrompre le flic du coin, quoi. Oh la vache! Ah, cette brutalité de la police, quoi. Ok, on peut le draguer, c'est déjà bien. Il fallait qu'on voie avec elle... pour le draguer encore plus. Oh, cette violence. Oh, j'ai même plus de quoi faire un pot de vin, quoi. Oh la vache. Comme ça pique bien les fesses. Donc là, du coup, normalement, lui, il accepterait éventuellement un pot de vin. Voilà. Combien? 585. Oui. Alors oui. D'habitude, oui. Mais là, non. Ouais, alors là, je pense que la tension entre le commerce de façade, le tripot et tout, c'est juste pas possible, quoi. Parlons argent. Non, il faut que j'en tire le max. Je suis désolé, mec, mais... Oh là là, 144, c'est la tristesse, quoi. Bah ouais, t'as pas assez d'argent, hein, je sais, mais... Qu'est-ce que je te dis, moi. La priorité, du coup, ça va être clairement de... Oh, on pourra jamais faire cette quête, là, du coup. Hein. Enfin, ça va être chaud bouillant, hein. En plus, il y a l'inflation, mais tellement, quoi. Oh, ça fait tellement mal aux fesses, cet événement-là. Oh, purée. 1000 balles avant le 16 août. Toi, tu nous fournis du 20 ans, toi. Dans un tour.
Peut-être, peut-être, peut-être. On va commencer à négocier les prix. On va s'occuper de ça du coup, histoire de rentabiliser un maximum. Ah ouais, ça pique les fesses, hein, on va pas se mentir. Ok, un 60, on avait déjà négocié visiblement. On vend du vin là aussi. Oh, le club civique, lâchez-moi pour l'instant. Les temps sont durs là, hein. Je pense qu'on peut utiliser ce terme là. Hein. Ouais, bah, j'aimerais bien demander aux flics de me rendre la thune, mais là, il a un petit peu abusé quoi. On va dire juste ça quoi. Il a un petit peu abusé le flic. Ah puis alors il fallait qu'on investisse là pour agrandir, il fallait qu'on investisse dans notre truc, il fallait qu'on fasse la quête. Je vous dis pas comment d'un coup ça remet en perspective l'importance de la thunasse. Hein. Mais bon, c'est pas très grave, on va s'arrêter là de toute façon pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire hein, si vous voulez. N'hésitez pas à dire au revoir à la VOD dans le chat. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi, et on se dit à très vite pour la suite.